Dis donc, jeune homme, tu serais pas mieux à la bibliothèque? Ouf, j'irai plus jamais à la bibliothèque. Lâchez-moi. Quel genre de livre aimes-tu? Viens avec moi. Celui-ci devrait te plaire, tu me fais penser au narrateur par moments. L'attrape-cœur ? Pitié, je ne veux pas être vu avec un supplément de nous deux. Ne te fie pas au titre français, ce roman n'a rien de gnangnan. Si, le titre. Vous pouvez pas m'en trouver un autre, il y en a des milliers. On pourrait trouver facilement un titre qui ne comporte pas le mot cœur, amour, bisous et toute la dentelle. Ne fais pas ta petite brute de base, tu en vaux mieux que ça, j'en ai l'intuition. Vous me connaissez à peine. Va t'asseoir sur cette chaise, elle doit être dans l'angle requis. Mais pas avec ça! Je vous l'avais dit, c'est l'honte absolue ce titre bidon. L'honte absolue, cornichon, c'est de tenir un livre à l'envers. Bon, je vais encore te tirer de ce mauvais pas, mais à ma manière. Tu en assumeras les conséquences. Je te sauve la mise à condition que tu lises ce livre, de la première à la dernière page. Tu prendras le temps qu'il faudra. Madame. On pourrait peut-être se promener au parc après la fermeture de la bibliothèque. Il fait froid et puis qu'est-ce qu'on irait faire au parc? Kevin, je peux rester avec moi. Je suis au courant de ton petit manège. De quoi tu parles? Je sais que tu m'aimes bien et que tu as pris cette place pour pouvoir me contempler. Et tu l'as fait avec une telle concentration que tu t'es même pas aperçu que tu tenais ton livre à l'envers. C'est trop mignon. Hein? T'inquiète pas, Kevin. Je t'aime bien moi aussi.